Pas de déception parce que Bourges est bien plus fort. Maintenant, il y a de la colère et surtout à la mi-temps parce que, en fait, quand on défend dur contre Bourges, quand on arrive à les sortir un peu de. Quand on les sort de leur train-train quotidien, en fait, bah, on peut les bousculer. Sauf que, on savait qu'il fallait se donner à 200%. La consigne, c'était on les prend à la gorge, on est très très dur. Les filles, vous devez jouer 3 minutes, pas plus de 3 minutes, on va faire beaucoup de changements. Et ça a été impossible. Ça a été impossible parce que d'entrée, la consigne, c'était couper du maire. Du maire, une grosse pression, faire en sorte que déjà, elle n'arrive pas trop à mener. Et sur la première possession de balle, on la laisse. Premier panier qu'on marque, c'était ça qui devait faire le déclencheur. Bah, hop, on replie, on se met à 10 mètres d'elle et on les laisse dérouler. Les actions d'après, nos ballons, ils restent à 10 mètres du panier. On fait passe. On ne donne pas la balle à Sandra, on ne donne pas la balle à Courtenay. Et ben voilà, il n'y a pas d'agressivité, donc on ne peut pas jouer. Deuxième mi-temps, on met grosse agressivité défensive, on va chercher des paniers, on va chercher les fautes, on donne la balle à Sandra, on donne la balle à Courtenay, Marine est très agressive dans le drive parce qu'il y avait beaucoup de place aujourd'hui, Kébi prend les tirs, et tout d'un coup, tout va bien, mais il faut être agressif. Je ne sais pas pourquoi, il nous manque vraiment ce starter défensif qu'on n'a pas, c'est un gros problème, on ne comprend pas qu'il faut défendre très très dur, et qu'il faut, que c'est pour gagner. Pour gagner des matchs en championnat, il faut tout jouer sur la défense. Ça s'est déjà produit cette saison et t'as pas la solution, t'as pas l'explication, effectivement, c'est dans la tête de tes joueuses que ça se passe. Mais oui, c'est que dans la tête parce qu'on est capable de le faire après en deuxième mi-temps. On est capable de le faire dès le début de match contre Montpellier, on est capable de le faire dès le début de match contre Angers. Mais là, alors oui, c'est Bourges, alors oui, on a peut-être un petit peu peur de se livrer au début, je suis d'accord. Mais il y a un moment, quand elle commence à prendre 4, 6, 8 points d'avance, bon sang, réaction. Il faut quelqu'un qui réagisse là-dedans et c'est important. Alors oui, alors la réaction, c'est moi qui l'ai eu à la mi-temps. Mais et du coup derrière elles se sont données. Mais personne était dans ce qu'on demandait en défense, personne respectait. J'ai vu Courtenay marcher dans la raquette, elle me demande pourquoi je sors. Je dis mais tu regarderas la vidéo, tu marchais. Deuxième mi-temps, elle sort pas parce que elle marque pas. Elle marque pas parce qu'elle défend. Et bizarrement, elle marque des paniers derrière. Comme tout le monde, comme tout le reste, comme Sandra, comme Marine, surtout comme Marine, comme les autres. C'est d'autant plus énervant que ce bon jeu-là peut-être était prenable, en tout cas, était jouable. Bien sûr. Aujourd'hui, on doit gagner. Franchement, on doit gagner parce que c'est fort, mais il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen. Si on avait compris d'entrée que au lieu que ça soit une force pour eux que Miem mette ses shoots extérieurs, ça aurait été une force pour nous que Sandra soit vraiment dans la peinture et soit dure dans la peinture et ou dans le drive ou voilà parce qu'il y avait de la place, parce qu'il y avait
avait pas Siak, il n'y avait pas Tolo. Tchatchuang a vite eu des fautes. Et il n'y avait que Minyem, il n'y avait que Tchatchuang. Ojiz, elle ne peut pas tenir Courtenay ni Sandra. Pauline Janot, elle ne peut pas tenir ni Courtenay ni Sandra. Donc voilà, ça, au bout d'un moment, ça pose problème chez eux. Mais voilà, c'est notre souci. Et après, en deuxième mi-temps, on revient. On est à 3 points, 1 point peut-être. 1 point. Sauf que, sauf qu'après, les rotations, elles n'ont pas été intenses non plus. Il faut, alors oui, j'ai tardé à les faire jouer, mais parce que, défensivement, on n'y est pas, quoi. Défensivement, on est pour jouer là et pour aller gagner à Arras mercredi, va falloir défendre, mais comme des malades. Parce que sinon, Lucas, ça va en marquer 30, Diawara va en marquer 30, Plouf va en marquer 25, et voilà, donc... c'est parce que c'est aussi fort que l'équipe qu'on a joué aujourd'hui à Arras. L'idée, c'est justement de vite se reconcentrer sur ce match-là, d'oublier un peu la colère d'aujourd'hui et se reconcentrer sur les valeurs qu'il faudra avoir dans le Nord. Oui, c'est le gros avantage de jouer, d'enchaîner les matchs. Le gros avantage. Donc là, on va se reposer, on va faire un retour positif de cette deuxième mi-temps et partir sur ça pour enchaîner contre Arras et pas faire l'erreur, parce que comme on sera à Arras, ça sera compliqué de revenir si on est à moins 10 à la mi-temps, quoi. Qu'est-ce que vous revenez à égalité à un moment, ensuite elle déroule, qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous revenez à égalité et le moment où elles arrivent à faire la différence derrière? Il se passe que ça fait 8 minutes que c'est les mêmes sur le terrain et qu'ils sont durs sur le terrain. En fait, je pense qu'on aurait peut-être pu passer devant si on n'avait pas raté des petits trucs faciles avec une grosse débauche d'énergie qu'on a eue. Je pense par exemple au panier tout bête de Kebi au tout début de match. On en a eu un deuxième, je crois, avec Courtenay. On a eu un avec Sandra, je crois. Et on a eu des petits trucs tout bêtes qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Et comme on a eu une grosse débauche d'énergie avant, et comme on courait après le score, et c'est vrai qu'au moment où on recolle au score, mais je vois bien qu'il n'y a plus de jus et on sait bien. Et que on est un petit peu court en banc, quoi, tout simplement. Et c'est la fin de ce match. Victoire.